No guys. Je suis mort. Fort, je suis pas mort, je suis fort. Ça n'a rien à voir. I have the bomb guys on mid double door. Low HP last, low. On heaven, right side. Heaven, right side. Heaven, right side. Heaven, heaven, left side. Two pillar, sight and pillar. Low HP lost. What? Not low? My bad, bro. Misinfo. I'm sorry. M4S, ouais, M4S, M4S. Y'a pas un monde où la 4L, ta place, frère. Rien que la pénétration d'armure, le prix, la facilité de manipulation, le spray, tout ça. Je me suis fait un avis définitif, vraiment. Aujourd'hui, j'ai bien regardé la 4 et tout. Et j'ai un avis définitif. Je suis mort. Je suis mort, je me suis fait déborder. Mid guys, they have mid. Split A or B. Je vous jure que la map les gars elle est beaucoup mieux que beaucoup d'autres maps. Hein. Par contre là les mecs en face ils rigolent zéro. Molo, flash flash, smoke. Pick lower, pick. Do you die on A? Yeah, one mid, one A. Are you okay? Stay to B guys, stay to B. We're good on A. Vraiment, la map, elle est vraiment grave jolie. Please. Got the bomb guys. Let me get you, bro. Counter terrorists win. Throwing flashbang. J'ai mis un shot là. Incendiary out. Flashbang. Smoke. Throwing smoke. Contre quelqu'un. Contre un. Ouais, non, peut-être contre le pilier. Ou je sais pas me balader encore sur la map. Je crois que c'était moi, j'avais tué. Non, qu'est-ce que c'est que ça? On est en train de donner des rounds là. On est en train de donner là. Hey bro, it's A. Hey, bro, hey. Counter-terrorists win. Hey. Running down the water. Fort à Counter Strike hein. Ah. Stairs. Water, underwater stairs. Il doit être dans le salon de thé là. Oh là là le frérot, la reine des merdes frérot. Je savais que t'étais dans le salon de thé là frérot. Allez meurs.
got the bomb, but I can't play the bomb, guys. C'est vrai qu'il fallait pas que je bait. Je vous jure, j'ai un 40 bit buff là. Oh la cognance. Could be left side, could be on you, could be on you. Yeah. Alors frérot, on clutche pas nous. Les gars franchement. Mais comment je le tue pas frère? Allez, 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 voilà. Allez, encore le troisième maintenant. Et voilà le troisième. J'ai un HP, je vais arrêter de faire le fou. Wait for blue. Can you smoke? Smoke here, I plant in the smoke. No. Oh, attends, tu te drogues. Je vais pas, just wait. I'm gonna knife. Smoke, sight. No. Guys, don't troll. I'm trolling. You don't troll. Go win the game. I knife. What the fuck, man? I'm rush. Are you okay? It's not here. It's this one. Don't die. Anubis, t'en penses quoi? Très bonne map. Franchement, colorimétrie agréable de ouf, l'architecture c'est ok, je pense que tous les mecs de CS seront pas déboussolés, tu comprends très vite la map. Toi ça dans les... Dans. Ah ouais, non mais ça je l'ai vu ça. Too big guys. T'as vu. La map est super, je vous jure que... Oh, puis il lurk depuis tout à l'heure, c'est trop grave. Il doit être là le mec. Oh, la map est bien, je pense que tout le monde va s'y retrouver. L'architecture est cool, facile à comprendre, les rotations sont plutôt... Tu sais, c'est CS-like, tu vois, c'est vraiment CS-like. Le mid est un peu bizarre, si tu... Voilà, parce qu'il y a une superposition sur le mid. Tu vois, et en fait, tu vois, sur Vertigo, ils ont superposé les BP. Sur Nuke, ils ont superposé les BP. Là, ils ont superposé le mid. Mais franchement, il est plutôt cool à comprendre. Ah, donc ils ont juste superposé le mid, c'est un collector, tu vois, il faut que tu te dises que le mid aujourd'hui, ben voilà, c'est un connecteur. Oh, Jésus-Marie-Joseph. Faut que tu te dises que le mid, t'as juste le mid en fait, où genre ici, là, tu peux sauter. Tu vois, là en fait, c'est le pont, c'est la window, tu peux sauter ici comme ça. Hop. Et ça te fait arriver au connecteur A et B en fait. Ça te donne de la water, c'est tout. Sinon en fait, c'est ça en fait le truc bizarre, c'est que... T'as les BP, c'est des BP, et t'as que le mid où t'as une superposition, et ça peut être en haut ou en bas. Mais si, franchement, elle est très facile à comprendre. Hein. Genre vraiment, c'est le mid, il s'apparente un peu à Mirage. J'aime beaucoup le BPA, il me fait penser un peu à Overpass, moi personnellement. Le pilier, la hauteur et le spawn CT, d'accord? Pilier, hauteur, spawn CT. Le BPB, pour le coup, vraiment, là, c'est un BPB à part entière. Hein. Il y a trois zones sur le BPB de retake. Mais tout dans le même sens, enfin, c'est bizarre. Franchement, je trouve qu'elle fait moins de dégâts la M4S. Ouais, c'est le but du nerf, ouais. C'est clairement qu'elle fait moins de dégâts, vraiment. Là tu vois t'es ici et tu peux aller rejoindre là le connecteur en B, tu vois, enfin c'est très... C'est comme la short en fait sur Mirage, tu vois.
j'ai pas envie de planter. C'est comme la short sur Mirage, tu vois. Ou c'est le mid. Oh putain, je prie. Sauf pas derrière. C'est comme la short sur Mirage. Où en gros, tu peux sauter dans le connecteur pour rejoindre le BPA. Là, moi, je vois un peu le mid un peu comme ça, tu vois. Pour t'aider à comprendre. Il faut toujours essayer de trouver des similarités avec certaines maps. Pour que tu puisses, toi, t'imaginer que ça va. Il n'y a que le B, tu vois. C'est un peu chelou. T'as une zone là, une zone là, une zone là-bas. À bloquer. Je pense que c'est un des premiers. Je pense que c'est un des seuls BP B de tout CS qui est. T'as 3 checkpoints un peu à gérer, genre. T'as toujours 3 checkpoints, c'est faux, frérot. En B, t'as sur D2, t'as la window, la porte et le tunnel. D'accord? Sur Mirage, t'as la corne, la kitchen et la part B. T'as toujours 3 zones. Mais tu sais, t'es encerclé, genre. T'es toujours encerclé. Là, plus ou moins, toi t'as 3 zones à check mais en face de toi genre. Et donc ça en fait 4 si tu prends ta banane. Tu vois? C'est ça qui est très bizarre. Je joue pas à la YM quand même. Ah, la petite flash ouverte comme ça, tu vois. Donc tu dois toujours. Moi je suis comme ça. Hein. Je prends même pas de risque. Et je plante pour le mid. Tu vois là c'est comme si tu plantais pour le mid. Comme sur Mirage. Comme sur Mirage. Là tu molles au fond et tu gardes ton cul. Oh le... Ah Tic 64. J'en ai rien à foutre, c'est Tic 64 ça. Me parlez pas de monstre nul. C'est vrai qu'il était nul mais ça c'est Tic 64. 1 HP guys, guys. Knife him. Go for the clip guys. No brother Meli, my friend. Knife. Couteau. C'est ça mes explications un peu sur la map, tu vois. Faut essayer de trouver des similarités, des similitudes avec des zones que vous aimez bien. Je vais aller un peu en A, vous montrer un peu, parce que tout à l'heure, Miskin, je le carbonise en B. Donc le A, tu vois, tu peux aller par là-bas, mais sinon, faut faire attention à ça. Tu flashes là, pour que ça flash là-bas, hein, bien évidemment. Là, tu décales les escaliers. Ah, ça, c'est le lobby A, et là, voilà. Et là, t'as pris ton connecteur. Là c'est comme si tu prenais le connecteur sur Mirage. Et hop t'arrives sur le BP A de Mirage, tu vois, c'est pareil. Là t'encules des gens, tu vois. Right side, pillar. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut que tu vois le truc. Genre, c'est comme si tu prenais le mid avec 3 checkpoints différents, comme sur Mirage, avec la window, la short, la kitchen. Tu peux arriver par l'underpass. Bah là c'est comme si j'arrivais par l'underpass de Mirage. Toujours essayer de trouver une similitude avec une carte que vous connaissez pour que tout de suite vous soyez familiarisé avec la zone. Là tu me vois me balader sur la map, t'as l'impression frérot, moi c'est la première fois de ma vie que je joue Anubis. Elle est là depuis 2 ans la map, ou je sais pas quand ils l'ont sorti dans des opérations de troll et tout, Valve, pour les joueurs poncetières. Mais moi c'est la première fois de ma life que je joue cette carte. Et t'as l'impression que je connais les lignes, que j'ai des zones, j'ai pas peur, dans mon dos, devant, derrière, tu vois, je suis aware de tous les dangers et tout. C'est pas parce que, bon, je suis un peu meilleur peut-être que la moyenne, mais sinon, c'est surtout parce que j'ai vraiment essayé de comprendre l'architecture. Donc là, tu vois, j'essaie de prendre le mid, tu vois, là c'est comme si, je sais pas, tu t'étais mis middle, short, vous voyez, middle, short, bench, chair, je sais pas comment vous appelez ça. Tu vois, et tu gardes là le mec qui te push par exemple. Et là, tu prends ton connect par exemple, tu vois. Moi je fais encore une décale de chimpanzé, mais. Vous voyez, sur les timings et tout, c'est comme ça qu'il faut comprendre le bail. Donc imagine qu'on assimile ça à Mirage, ok. Tu prends le mid là comme ça, tu mollo, le connecteur, comme ça le mec il pique pas par exemple. Et là t'es close connector, tu vois. Par exemple. Là tu dis vas-y flash moi le con, là il a la ligne. Ah, Windows. Ouais. Je suis nul. Ah, il casse les couilles. Lui là, il me fait chier avec la M4S. La M4S est toujours injouable, hein, voilà, je vous le dis. Ceux qui pensent que machin. Déjà le Tic 64 il est horrible. Et regardez la M4S. Hein. Le mec full confiance, il décale gros spray, il met des 5 balles depuis tout à l'heure. Je vais arrêter d'aller jouer, je vais jouer par le B. Moi j'aime bien Anubis. Bon depuis tout à l'heure je troll là, ça fait 4-5 rounds je troll, je vais me reconcentrer. Et pour gagner, je vais aller en B pour péter la gueule du mec en B parce qu'il est nul. Et surtout le mec qui est dans le connecteur là, dans le petit connecteur, je vais lui enculer sa mère par le B. Parce que vas-y, il fait trop le Mac là dans le B, il est injouable.
Le connecteur est trop injouable. Ah, il lâche des grands sprays, frérot, dans le corps, lui. Il est fatigant. Il faut dead. Let's go, guys. He's on the right side, like little room, little room. On va les stocker là-bas. Ah, vraiment, lui. Les gars, les gars, les gars, les gars. Un loco, get to. Lui, avec sa M4S, vraiment, il nous terrorise. Je suis dégoûté. C'était le rude à gagner. Oh. Ils ont les timings de flash ou là là là. Il est où le bug? Il est là le bug. J'ai 20 HP, je peux pas les jouer de duel. Par contre j'ai toute la rota s'il repart. Mid behind you guys. Mid behind you guys. Mid behind you guys, lower mid. Imagine ce rat d'égout là, il est toujours resté là. Je comprends pas. Franchement je vous le dis, j'aime beaucoup la map. Celle-là c'est le rat d'égout non? Voilà c'est le rat d'égout. Ah, ouais. Pour les stats, lui. Monsieur la victoire sur Anubis. Bonne map. Franchement, bonne map. Je pense que les gens vont l'apprécier. Il y a deux, trois trucs à changer quand même. Hein. Parce que les timings où les CT et les terreaux s'affrontent dans les zones neutres et tout, c'est un peu trop aléatoire à mon goût pour le moment. Donc il va falloir, je pense, ajuster deux, trois petites conneries et tout. Les hitbox, lisser un peu les corners de la map et tout. Parce qu'il y a des coins de map, tu mets des smokes, ça cogne des murs qui n'existent pas et tout. Il y a des hitbox, des skybox un peu pourris. Je parle vraiment de l'architecture de la map là. Mais ça, c'est du correctif quoi. Ils vont, je pense qu'ils vont s'en occuper. Ils vont s'en occuper. En tout cas, je pense que franchement, la map est cool. Et on attend de voir un peu la méta que vont proposer les pros dessus. Hein.